hein, quand même, dans des best-of. On a eu beaucoup de questions depuis 15 jours. Énormément de questions, Laurent. Parce qu'on n'était pas là la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai. C'était la fête de la musique. J'avais oublié. Alors maintenant, le médiateur, c'est devenu la technique pour qu'on ne parle pas d'un film ou d'un livre. Pourquoi ? Je ne savais pas, moi, je ne sais pas. Pourquoi ? Mais je sais pas, parce que moi j'attendais. Vous avez vu le film ? Je pensais que Nolo allait faire un commentaire. Vous avez vu le film ? Mais j'ai vu, moi ça m'intéresse. C'est pas vrai, Zemmour, vous avez vu le film ? Mais j'avais dit, il n'y avait pas de livre cette semaine. Alors, vous ne voyez jamais les films, d'habitude. Mais Nolo, Nolo, le grand Nolo. On lui demande pas son avis, alors vraiment. Bah, je savais pas que vous l'aviez vu. Revenez, j'en veux chez moi. Votre avis, vous savez ce que. J'en veux pas. C'était pour avoir une deuxième. Allez, les questions des téléspectateurs, Jean-Luc. Allez, tout de suite. Tout de suite, allons à la première question. Bonjour, je m'appelle Cédric. J'adore la culture et les langues étrangères. J'adorerais être polyglotte. J'aurais aimé savoir où Éric Zemmour et Éric Nolot ont appris à parler aussi bien la langue de pute. Ça commence à bien faire maintenant. Est-ce que pour une fois, on pourrait dire quelque chose de gentil sur nous dans cette émission ? Puis franchement, regardez-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'être méchant ? Vous comprenez, mais... Ça explique plein de choses, hein. Vous comprenez maintenant pourquoi on demande à Éric Nolot de venir en plateau les mains vides. Oui, c'est aussi un psychopathe dans la vie de tous les jours. Non, j'arrête. Car je crois qu'il est temps de dire enfin la vérité sur nos deux polémistes, que les gens du métier appellent affectueusement les enflures. Déjà, contrairement aux idées reçues, Éric et Éric ne sont pas des êtres sans cœur. Non. Bon, ok, ils n'aiment que des auteurs morts. Ok, pour eux, tous nos invités n'ont aucun intérêt, ils ne méritent même pas leurs critiques, mais après une cinquantaine d'émissions, Éric et Éric se rendirent compte qu'en France, plus personne ne les aimait, et que s'ils voulaient être heureux, il n'y avait plus qu'une seule solution. Tu l'as déjà utilisé en boucle alors. J'avais pas vu tout ça moi. C'était sous vos yeux, c'était sous vos yeux. Une histoire d'amour magnifique, Laurent. Oui, Éric et Éric. Ça passe des trucs ici, alors. Mais vous voyez rien. Éric et Éric sont plus qu'un duo. Je les ai rendus gays. Non, ils sont amoureux, tout simplement. Respectons ça. C'est une fusion, une osmose, un bonheur total qui nous envoie en pleine face. Mais plutôt que de nous narguer, comme ce sont des êtres de cœur, ils ont décidé de le mettre en musique pour faire le tube de l'été. Oh, merde. Tout de suite, en exclusivité, un extrait de leur clip. Ah, non. J'ai mis dans ton cou, ouais, et nous sentir amoureux fou. Bah, c'est un feu d'artifice, là. Amour, à ne plus manger, ne plus dormir. Vous allez jouer
un couple homo avec Lambert Wilson dans un film qui s'appelle Comme les autres. Oui. C'est vrai, bah voilà, vous pouvez vous inspirer de... Ah bah ça y est, on a la chanson. C'est cadeau. Ça sortira en septembre, c'est oui, ça oui, Comme les autres. Autre question, Jean. Allez, question suivante. Bonjour, je suis philosophe grec et occasionnellement animateur de télévision. Je me tairai bien évidemment sur mon nom pour des raisons de confidentialité. J'ai appris que le médiateur s'arrêtait et je suis très triste. Et pour fêter la bonne nouvelle, j'organise une petite beuverie, une petite sauterie à la maison où on mangera grec, où on mangera des boulettes, cher Jean-Luc, où j'invite également tous les amis de cette émission éminemment intellectuelle. Mon ami Zemmour, mon ami Nolo. Nolo, vous aimez les femmes, vous aimez les filles faciles, vous aimez l'alcool et les beuveries jusqu'à l'aube. Eh bien, vous danserez grec sur les tables en string jusqu'à 5h du matin. Néanmoins, une question pour le médiateur. Vous m'avez demandé de réserver, cher Jean-Luc, non pas une table, mais une suite à Mykonos. Mais vous serez combien de personnes, au fait? Sans rancune, bonnes vacances. Salut. Merci à Nikos. Merci à Nico, mais c'est là où on s'aperçoit qu'Éric Nolot est devenu une star. Tout le monde connaît ses goûts. Non, merci à Nico de ne pas être rancunier, et je fais mon mea culpa, car c'est très dur d'animer une émission. Prenons le plus grand des plus grands, Laurent Ruquier. En quoi consiste son rôle? Allez, à la louche, sur 3h30 d'émission, 1h de parole et 2h30 d'écoute. Alors que fait Laurent de ces 2h30 où il ne parle pas? Eh bien, pour le savoir, lors de notre dernier numéro, nous avons placé sur lui une caméra isolée, avec seulement le son de son micro. Donc, que fait-il? Déjà, en bon chef d'orchestre, il donne la parole, il imite Louis de Funès et il gère les problèmes du plateau. Oui, oui, tout ça en même temps. Qu'est-ce que ça va être? Non, non. Oh, Zemmour, ça va. Non, non. Ah, mais Zemmour, faut le... Quelle horreur. Oui, une maîtrise totale. Enfin, maîtrise. Des fois, Laurent fait aussi n'importe quoi, juste pour se dégourdir le bras. Quelle horreur. Et Laurent, vous êtes un homme normal, avec vos failles. D'ailleurs, des fois, Laurent est complètement largué et ne sait plus ce qui se passe sur son plateau. Mais qu'est-ce que ça a été tourné quand, ça? C'était la dernière émission. Alors... Que faire dans ces cas-là quand vous perdez les pédales? Il faut absolument se donner une contenance. Pour ça, Laurent a deux bottes secrètes. Un, il replace ses lunettes. Ça, c'est vrai. C'est pas un peu fini, hein? C'est presque. Espèce de jaloux. Pas du tout. Et ça encore, c'est juste pris sur un extrait de 10 minutes d'émission. Deuxième botte secrète, quand Laurent ne sait plus quoi dire ou quand la conversation l'ennuie, il fait semblant de lire. Il a une réaction qui n'est pas... Et là, on voit bien que vous faites semblant. Mais non, je recherche des extraits que j'ai sélectionnés, voyons. Parce que comme Superman, très vite. Mais oui, ils sont stabilotés. C'est ça. Vous verrez, vous verrez. Alors pourquoi Laurent est-il le plus grand, the best of the best? Eh bien, simplement parce que ce n'est pas qu'un animateur. C'est un artiste, capable de gestes techniques rares, comme le rire stoppé, avec reconcentration immédiate, le rire asthmatique, ou encore des combinaisons que lui seul maîtrise. Il était donc normal de rendre un dernier hommage à ce grand technicien. Les spéciales de Laurent Ruquier. Le rire stoppé avec reconcentration immédiate. Le rire asthmatique.
rire plus reconcentration plus rire plus reconcentration. Concentration plus danse de la tête. Rire force 12 plus lunettes. Lecture plus rire plus reconcentration. Mais c'est quand ça? Mais quand est-ce que c'est ça? Toutes ces images sont tirées de l'émission. Ah, ça, c'est le livre de Marie Laforêt. Bah oui, donc c'était la dernière émission. Ouais, ouais. Eh oui, Laurence. Mais pas un peu fini. Hein? Presque. Allez, lâchez-moi. Et enfin, beaucoup de gens me posent la même question. Sans le médiateur, qui va surveiller Nolo et Zemmour? Eh bien, personne. Donc, en exclusivité, voici à quoi va ressembler On n'est pas couché l'année prochaine. C'est là, j'avoue. Mais t'es vraiment fou, ça, hein. Voilà, cette fois c'est tout. Rendez-vous bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, vous aviez des questions, nous avions les réponses. Et enfin, applaudir une dernière fois, Jean-Luc Lemoyne.